Lettre de Pauline Tarn à Marie Charnot de 1894. 1er avril, 23 avenue du Bois de Boulogne. Je reste une huitaine de plus à Paris. Je suis à présent logé 23 avenue du Bois de Boulogne avec les amis que tu as vus à Luchon. Les tragédies vont beaucoup me manquer, mais ce qui va me manquer encore plus, c'est toi, ma chère amie. Tu sais que nous avons vu Thaïs hier à l'opéra, et tu voudrais sans doute savoir comment cela s'est passé. Eh bien, Delmas était admirable. Cléo était là, avec ses bandeaux, ses éternels bandeaux que je trouve affreux, moi. Elle avait de charmants costumes, et au deuxième acte, elle est venue se mettre bien en évidence, languissamment posée au bas de l'escalier en marbre. C'était une attitude fort élégante, mais qui paraissait bien peu confortable. Dimanche 8 avril. Tu vois que je suis toujours à Paris. Mon séjour se prolonge. Je ne sais pas jusqu'à quand, par exemple, c'est d'un vague et délicieux qui me permet de tout espérer. Je suis si heureuse de rester à Paris. Il y a si longtemps que je n'ai vu un printemps à Paris. C'est si beau. Les marronniers des Champs-Élysées sont un rêve. Le bois est merveilleux. Les boulevards sont pleins de verdure. Les rues et les places pleines de soleil. Tout le monde a l'air gai. Les dames ont de fraîches toilettes de fleurs. Il y a du plaisir dans l'air. Et la courbe de l'Arc de Triomphe se remplit de ciel bleu. L'obélisque sur la place de la Concorde est tout baigné de rayons. La Seine est d'un si beau vert et coule si doucement. Enfin, Paris, c'est la ville du printemps. Tu me manques beaucoup, ma chérie. Demain lundi, je penserai à nos bonnes après-midi, à nos fameuses tragédies. Et le regretterait, ce bon temps, trop tôt fini. Maman et Toinette sont à Londres. Les chers Anglais ont été aimables, ce qui m'étonne. Moi, jamais je n'ai rencontré un Anglais qui se soit donné la peine de se montrer poli pour moi. Ils me toisent avec un dédain suprême, que je leur rends d'ailleurs. Peut-être est-ce que je ne les comprends pas, mais mon Dieu, ils sont assez difficiles à comprendre. D'autre part, quand on ne vous regarde même pas, ce sont des mufles, ma chère amie. Ce n'est pas bien élégant, cette expression-là, mais ça exprime bien ce que je veux dire. Je dirais que maman se console avec les mufles et Toinette aussi. Elles sont tout à fait passées à l'ennemi. J'ai vaguement l'idée que je divague doucement. Toi, si correct, oh là là, c'est le printemps parisien qui me monte à la tête. Mes amies sont revenues de la Suisse. Elles ont amené avec elles une grande bringue anglaise qui leur sert d'institutrice. Elle est longue, elle est maigre, c'est un vrai poteau de télégraphe. Ma chère amie, je t'en prie, ne mets plus Miss sur les enveloppes que tu m'envoies. Ça me fait penser à ces longs mâts de navires en détresse, à ces voix de polichinelle et ces pieds d'éléphant. D'ailleurs, j'ai assez vécu en France pour ne plus être qualifiée d'étrangère. Mon père était anglais, ce n'est une raison pour que je sois anglaise. D'autant plus qu'il est mort avant que j'eusse le temps de le connaître et de l'aimer. Le 14 avril 1994. Quand reviendras-tu? Ah non, ça c'est la chanson. Donc là c'est quand reviens-tu? J'ai bien envie de renouveler nos bonnes causeries et surtout les entretiens sérieux où la tragédie en pleurs joue un si grand rôle. Sais-tu qu'on a donné déjà plusieurs fois Salammbô à l'opéra? Nous avons revu Thaïs. Mademoiselle Sanderson m'a déplu. Ce qu'elle a chanté le mieux, c'était l'hymne à Vénus, l'air du quatrième acte. Cet enfant d'un travail merveilleux et rare, c'est Eros, c'est l'amour, et aussi les dernières paroles de Thaïs au cinquième acte. En somme, c'est le quatrième acte qui me plaît le plus. 27 avril, vendredi. Je pars le 2 mai, samedi soir. Son. Alors, Sibyl Sanderson, son accent est déplorable. Ses costumes sont parfaits, mais cela n'est pas extraordinaire pour une Américaine. Elles ont tout l'art du chiffon et rêvent des merveilles d'originalité. Je suis allé au théâtre cet après-midi. Il y avait une matinée. J'ai vu un drame absolument bébête. Cela s'appelait un bouquet de violettes et c'était d'un fade, d'un ennuyeux. Il y avait une malheureuse jeune fille maigre comme un os, qui a été rongé par trois chiens. Tu me demandes ce que j'ai fait pour me brouiller ainsi avec toute ma famille. Bien, je ne sais pas trop.
J'ai une faculté toute spéciale pour me brouiller avec les gens que je n'aime pas. Je crois que j'ai dû laisser voir à ma tante que je ne l'aime pas et la déteste. Comment mon pauvre oncle a-t-il pu l'épouser? Je vais tâcher de composer de mirifiques tragédies. À mesure que je les aurai inventées, je t'en enverrai l'argument, un petit résumé du chef-d'œuvre sans quoi et la postérité. Pour toi, les baisers et les tendresses du monstre odieux. 21 mai, dimanche. On fera le 21 mai une autre fois. Je vois que les 5 minutes sont déjà passées sur Radio René Vivien.